Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et l'amour du Seigneur soient avec vous. Kolo na bomoi, apambola, anetolama, akumisama. Na o nyonso, azosala kati na bomoi na biso. Zamba pambola yo, bien-aimés, shalom. Zamba pambola yo, que la grâce de Dieu e va ko accompagner biso tout au long ya culte na biso na après-midi à l'élo. Zamba za malamu, zamba za bolingo. Il nous a donné encore le souffle de vie afin que tout se présente liboso na ye avec la louange, avec l'adoration. Tout se présente liboso na ye na ba prière na biso, na ba préoccupation na biso. Tout se présente liboso na ye na tina ete. Toyo kanini oyo abongisi na tina na biso. C'est pour cela, bien-aimé, zambe na bon moi, aye bako pambola yo, yo muto opusani liboso na ye, yo muto opusani pona ko yo kaye, zambe na bon moi, azwa lokumu, azwa kembo e ma sanjoli. C'est pour cela, bien-aimé, tozo ko kende kati na ko kwa dore nzambe, tuzo kende na kati na kokumi san zambe, tuzo kende kati na kosanjo lan zambe, na onyoso aso sale la biso, na onyoso azo kokise la biso. C'est pour cela, bien-aimé, soyons concentrés dans la présence de Dieu, bandako bosa na nyonso, oezalaki préoccupation na yo, oezalaki activité, oezalaki sala, mais concentre-toi dans la présence de Dieu, parce que Dieu bénit celui qui est présent, celui qui est concentré, celui qui regarde, qui voit Dieu d'une manière spirituelle. Alors, zambende azoko sale la biso malamu. C'est pour cela, bien-aimé, toke ko kumi san zambé, toke ko pambo lan zambé, toke ko neto lan zambé na o nyonso, azoko sale la biso, o nyonso azoko sale la biso, toke ko pambo lan zambé, banda ko pambo lan zambé. Bana koneto la nzambe na bomoi. Bana kozongi saloku mukembo masanjoli epai na nzambe. Bana kolobana ye akumama. Bana kolobana ye asanjolama. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu de grâce, Dieu de gloire. Merci papa. O sali libiso amin, o sali libiso bola mon nzambe. Yangwe sali ete Seigneur Dieu tokoma na bomoi na tangu oyo. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Reçois la louange, l'adoration de nos cœurs, Seigneur Jésus. De nos esprits, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Zambé na bon monde. Okuma manayo, pona kope seviso tango oyonzam. Nazo neto la yo, nazo pambo la yo. Oui, bien-aimé, banda kwa adore zambé na bon monde. Manako élevé le nom du Seigneur. Manako lo mananzambe na bikamwa akuma manaye. Manako lo manaye asanjo la manaye. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de grâce. Tope sananzambe yo nini bien aimé. Tope sanaye nini soki kembo lokumu masanjo lite. Azamalamu, azamalamu. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Adore ton Dieu bien-aimé. Netto la monnaie ensemble. Pambola komola Yesu Masia. Lobana yazo loku. Lobana yazo nekem. Banako remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Yoku mamana yo libela na libela. Yo sanjo la mana yo kosina yuda. Yo zanzambe na bomoi. Yo zanzambe na bomoi. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Yo zanzambe na bomoi. Yo zanzambe na bikamo. Nous en zambé na kembo. Gloire soit rendue à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, pour mi sans zambé. Banako pambo l'anzambé.
Manako neto lanzambe na bomboi. Waza malamu Yeshua. Waza malamu, waza bolingo. Merci Seigneur Jésus. Kolazo sala makamba mirene. Tala souffle de vie o yakode yon atongo alelo. Na pre-midi alelo. Eza sije yakokumi sanzambe. Tala bana na yo. Eza baza sije yakokumi sanzambe. Tala mobali na yo. Tala mwasi na yo bien aimé. Eza sije yakokumi sanzambe. Kouko zanga te makambo yo kouko lobe pa inanzambe. Na pre-midi alelo. Alléluia. Azo sale la bichu ya mingi. Azo sale la bichu ya koka moi. Alléluia. Merci Jésus. Na santé azo ko akorde yo bien aimé. Oko ko zanga te makamba ko lobe pa ina nzambe. Boni na tango bazana moko ko wako bate. Bana muno ko bazo ko wako lia te. Bana makolo me bazo tambola te. Oh, bien aimé, Nzambe azo kode yo santé. Azo peso kimi, azo peso nyonso e sengeli. Alléluia. Nous devons le louer, l'élever, l'adorer. Parce qu'il est digne de recevoir nos adorations, nos louanges. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien aimé, on va nous kotika tango oyo na maboko na Nzambe. Otika kicha lelo na maboko nanza. Que le Saint-Esprit a pris le contrôle de toutes les choses. Que le Saint-Esprit a kambabisho. Que le Saint-Esprit a se manifesté. Que le Saint-Esprit va agir. Que le Saint-Esprit de Dieu. Amoni sakembo na ye. Que mon imomo santo nanzambe. Agir puissamment. Agir puissamment. Banako bonde la kotika tango na maboko nanzambe. Banako bonde la kotika tango na maboko nanzambe. Et que le Seigneur de gloire a se manifesté. Que le Seigneur de gloire a monisake monaye. Que Nzamba monisake monaye. A monisabika monaye. Yahweh na bomoy. Azwa na ye lokum. Yahweh na bomoy. A sembola loboko na ye. A nako kamba biso. Ama nako sunga biso na tango yotopuse ni liboso na Nzamba. Yo, bandako bonde la Nzambe na bomoy. Bandako bonde la Nzambe na bomoy. Banda ko bonde la Nzambe na bomoi. Banda bonde la Nzambe na bomoi. Ete ko amonisa. Ete ko lo banda ko sa. Ete ko lo banda ko monisa kembo na ye. Banda ko bonde la Nzambe na bomoi. Banda ko bonde la Nzambe na bomoi. Banda ko bonde la Nzambe na bomoi. Ete na Dieu tout puissant. Amonisa makati na bomoi na yo. Le Seigneur Dieu tout puissant. Akitisa kembo na ye na tangoi. Molimo mo santu na Nzambe, molimo mo santu na Nzambe, amimonisama, 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 banda ko bondela, banda ko bondela, ete Nzamba mimonisama, Nzamba mimonisama kati na bomo ina yo, Nzamba telema na bomo ina yo, Nzamba telema na bomo ina yo na libota na yo na tangoi. Zamba moni sa makati na bomo na visite yo. Que le Saint-Esprit dans l'œuvre. Que le Saint-Esprit se manifeste na tango. Oh, Zambe na bomo. Assemble le. Assemble le bo. Aji. Aji maintenant. Oh, par le Saint-Esprit. Banako bonde la ete Zamba mimoni sa. Banako bonde la ete Zamba kitana ke. Zamba sala. Zamba sala. Asala amine. Asala yakoka. Alléluia. Banda ko bondele pa ina Nzambe, banda ko bondela, banda ko bondela, banda ko bondela na tina bomo ina yo, banda ko bondela tina libota na yo, banda ko bondela na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masi, na kombo na Yesu Masi, banda ko bondela Nzambe na bomo, banda ko bondela Nzambe na bomo, banda ko bondela. Oti kabomo ina na maboko na Nzambe, oti kavikreteni na yo na maboko na Nzambe,
Botika, bobo ina yo, botika li, li, li bota na yo, na maboko na zambe, kuple na yo, foye na yo, na maboko na zambe, que le Saint-Esprit va ko visite bino, que le Saint-Esprit va ko, ko salera bino malamu, que zamba tele malakombo na yesu, wano pousa ni liboso na zambe na tango, banda kombo de la na kombo na yesu masia, alleluia, oh, moyenge bende. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Éternel est Dieu tout puissant. Éternel est Dieu incomparable. Éternel est Dieu le véritable. Tu es le redoutable. Oh, Zanzambé dans mon monde. Oh, Zanzambé dans mon monde. Oh, Zanzambé dans mon monde. Symbola lobo. Symbola lobo. Symbola lobo. Symbola lobo. Symbola lobo. Symbola lobo. Yonde Zanzambé dans mon monde. Yonde Zambé na bomo, yonde Zambé na bomo, yonde Zambé na bomo, yonde Zambé na bomo, sembola lobo, sembola lobo konzam, éternel Dieu, na libota moko, na tangoyo, papa sembola lobo, visite bangonza, visite peuple na yo, visite peuple na yo, visite peuple na yo, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu masi, quel est ma Seigneur Jésus. Télé manzambe na bomo, télé manzambe na bomo, alléluia, mon sang tu na boule, mon sang tu mon sang, mon sang tu mon sang, Yesu Masia, éternel est Dieu tout puissant, yon de zambe na bika moi, yon de zambe na bika moi, ni monisa yawe, 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 na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia, Banda ko bonde la nati na bomo ina yo. Banda ko bonde la nati na bomo ina yo. Ete le Seigneur de gloire. Allo bela yo. Kenzambe na bomo. Allo bela yo na tango. Wano kusani ni bosona Yesu Masia. Allo bela yo. Wo kusani na pambate. Zamba pusyo na tango. Na pambate ni bosona ye. Allo bela yo. Nini oya bongisi na tina bomo ina yo. Ozo bonde le pa ina zambe. Ozo bon de l'épaï dans Zambé na bombo. Éternel est Dieu de grâce. Éternel est Dieu tout puissant. Éternel est Dieu incomparable. Éternel est Dieu le véritable, le redoutable. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Parle-nous, Seigneur Dieu. Parle-nous, Seigneur Jésus. Parle-nous, Seigneur Jésus. Lobe la vie sur Zambé na bika. Lobe la liberté na yo Zambé. Lobe la biso, lobe la biso zambé, nini o yongi si zambé na bomo, nini o lingi Seigneur na tina na biso, éternel est Dieu de grâce, éternel est Dieu tout puissant, éternel est Dieu des armées, yo de zambé na bomo, yo de zambé na bomo, lobe la biso zambé na bomo, lobe la biso zambé na bomo, lobe la biso zambé, lobe la biso zambé, lobe la biso zambé, Lobe la vie sur Zambé, yon de Zambé na bomo, yon de Zambé na bomo, lobe la vie sur Zambé, lobe la vie sur Zambé, éternel est Dieu tout puissant, tolingito yoka yon Zambé, tolingito yoka yon Zambé, tolingito yoka yon Zambé, yon de Zambé na bomo, tolo sembola lobo, tolo sembola lobo, sembola lobo kona yo, sembola lobo kona yon Zambé, 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 sembola lobo kona yo, sembola lobo kona yon Zambé na bomo, Zambé na bomo, eh Seigneur Dieu de grâce, eh Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu de grâce. Yahweh na ngwe to lingito yokayo, Yahweh to lingito yokayo, na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia, éternel est Dieu des armées, éternel est Dieu des armées. Éternel est Dieu des armées, éternel Dieu des armées, yon de Zambé na bomo, 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 nakombo na yo Yesu Masia, nakombo na yo Yesu Masia, Amen. Acclamons plus fort les rois des rois, topé si yon Zambé, merci, pour yon Zambé la mo, merci, éternel est Dieu tout puissant,
Oh, gloire à toi, Jésus, gloire à toi, l'agneau de Dieu. Yonde Sungaka, Yonde Salaka, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Oh Zanzambe, mon santu yokumama, mon santu yo netula malayo, netula malayo, netula mane, netula mane, netula malayo, na kombo na Yesu Masia, Alléluia. Oui, bien-aimé, Zamba Zamalamu, Zamba Zabolingo, Zamba Lingi Bisomingi, Alingi ete bomo inabiso ebiki sama. Alingi ete bomo inabiso. Ete nzambe na bomoi. Azwa tango nyoso lokumu. Ete nzambe na bomoi. Azwa tango nyoso tukembo. Ete nzambe na bomoi. Azala toujours kati na biso. E yende azala elonga na biso. Yende azala bouclier ya bomo inabiso. Alléluia. Oui, bien aimé. Toujours continuer toujours katina teme na biso katina senema na biso sur les temps de la fin, sur les temps de la fin. Le monde bien aimé est à la vitesse na yango ezoroken pour accomplir ce que le Seigneur a déjà déclaré il y a de cela plus de 2000 ans passé. Le Seigneur a vu déjà des choses que nous voyons aujourd'hui. Oh, toujours que vivre les oh, le Seigneur a déjà vu ces choses. Il y a toujours que mon allélo, oh, yo, boy. Parce que le Seigneur a déjà prophétisé. Et dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, les gens abandonneront la foi. Dans les derniers jours, batuba kolingaba yo, kamakambo, yo, sepeli sabango. Nous sommes au temps de la fin. Ce que nous voyons montre que la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ est la vérité. La Bible contient la vérité de la parole de Dieu. Même s'il y a des gens au bas qui ont nié l'existence de la vérité de la parole de Dieu, mais nous, nous croyons à cette parole. Et toujours au monde, toujours au les canassés, toujours qu'on attestait que non, la parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et il y vient bientôt. Il y viendra pour nous prendre. C'est pour cela, bien-aimé, tiens-toi bon. Tiens-toi ferme. Retiens ce que tu as eu. Ce que le Seigneur t'a accordé. Ce que le Seigneur t'a parlé. Ce que le Seigneur a communiqué. Retenir yango, retiens yango, kobungisa yango te, parce que yango nde kosunga yo. Tu en as sous-terme na biso, bien aimé, sur l'Odyssée, l'église du temps de la fin. L'église du temps de la fin, bien aimé. Oui, l'église du temps de la fin. Où le Seigneur est entré, yakosunga biso afin que toyeba ko se préparer, koyeba ko se préparer, afin que to ratete l'enlèvement, to ratete ouzali rendez-vous au tozanango avec le Seigneur Jésus Christ. Nous allons lire la Bible, la parole de Dieu. Dans le livre de Apocalypse chapitre 3, à partir du 14e verset, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi par ce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien.
Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je réponds et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, il disait, et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Oui, bien-aimés, nous avons parlé la fois passée, nous avons abordé sur quand le Seigneur est en train de dire à l'église de Laodicée que tu ne sais pas. Donc, l'église de Laodicée était dans l'ignorance. État spirituel au Bazalaki Nango. Bazalaki koye bate. Que Bazalaki ba malheureux. Que Bazalaki ba misérable. Que Bazalaki pauvre. Bazala qui aveugle, pe bazala qui nu. Babane ko ye ba yangote. Malgré la richesse terrestre au bazala qui nango. Malgré l'argent dans bazala qui nango. Malgré riche au bazala qui nango. Malgré la qui ko s'enrichit. Mais, sur le plan spirituel, quand le Seigneur, azoko tala bango, azoko mona bango, Bazala qui va malheureux. C'est aujourd'hui bien-aimé. Il y en a bien-aimé. Oh, au Père éternel, Dieu, azo sala bango ngolu, ko accorder bango souffle de vie, ko sala bango grâce. Mais azo ko gâté ko saisir cette grâce. Azo ko gâté ko saisir les temps de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. Parce que Bazaba misérable. Parce que Bazaba malheureux. Pauvre Bazaba nu devant Dieu. Et Bazaba kati na ignorance. Il y a état spirituel. Parce que Moutoua yebi état spirituel. Il y a un état spirituel. Il y a un état spirituel. Afin qu'il y ait un secou. Mais quand quelqu'un ignore son état spirituel, il est difficile, il y a qu'on s'approcher de Dieu et demander quelque chose. Oye qu'on soungaye, qu'on demander une aide, un secours auprès du Seigneur. Aux années, mais oye bite que aux années. Moye ozoa, idée y'a qu'on s'enga bilamba olata ezate. Parce que yo mon cousin ignorant. Que je suis nu. Osa aveugle. Osa ignorant que non, je suis aveugle. Osa moi que non, tambourra bien. Osa moi que non, je suis bien. Mais tu ne vois pas. Et pas yorokwea. On y habite. Et pas yorokwea. Osa moi na te. Quand tu es aveugle, même si quand ils ont une église qui semble l'ensemble, au côté bangote, parce que tu es avec.
Tu es les yeux pour voir. Tu as les yeux pour regarder. Tu ne vois pas. C'est ça l'état. Oyo Laodicée en un mot. C'est ça l'état. Église aujourd'hui. Bazana yango, oyo bazo otambula par l'aveuglement. Oh Dieu nous aide. Dieu vient à notre secours. Afin que tout banda komona. Bisika nini tozo kozala. Batuo nini tozo ko kwa na bango komona ke non son de Dieu. Ils servent Dieu. Or, tant nous avons autant d'avant, ils sont loin de Dieu. Ils sont loin de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé. Esaïe est en train de dire ce que nous avons parlé dernièrement. Esaïe chapitre 29. Esaïe chapitre 29, bien-aimé, nous allons lire la parole de 29. À partir du 13e verset, la Bible dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte des traditions humaines. Donc la crainte, oh ben je viens d'angoli bosso dans Zambé. Ce n'est pas la crainte. Oh ils ont où t'as la molu mon centre dans Zambé, où t'as la parole de Dieu, des craintes de Dieu. Mais ça va précepte y abattu. Et ça va tradition. Et ça va enseignement humain. Oh lien montez dans la crainte de Dieu. Mais moutazana crainte, moutazana peur. A vis-à-vis à l'enseignement, oh ya zokozo. Que papa na yo zandoki, maman na yo zandoki, bana na yo, faut benga na bango, faut sa na bango boy. Ce sont des préceptes des hommes. Nulle part dans la Bible. On a dit ces choses, oh ya toujours vivre les lots. Mais quand tu es aveugle, tu ne vois pas. Obanda ko mela makambo na nyonso. Obanda ko accepter yango. Pourquoi? Parce qu'on a dit, sans pourtant vérifier, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, nous parle? Faut vérifier les écritures. De voir si c'est bon, si l'homme de Dieu qui prêche la parole de Dieu, la servante de Dieu qui prêche la parole de Dieu, est dans la vérité. Faut vérifier, bien-aimé. L'aveuglement. Aujourd'hui, bien-aimé, l'état de l'église, dans cette période de Laodicée, et dans l'aveuglement. Dieu savait, bien-aimé, qu'à ces périodes,
Il y aura beaucoup oh bah qu'on sombre katina ténèbres. Oh bah qu'on sombre katina obscurité. Apôtre Paul est en train de dire Actes des Apôtres chapitre 26. À partir du 7e verset, la Bible dit ceci. Je t'ai choisi. Là, l'apôtre Paul est en train de parler devant les Juifs, devant Israël, de sa mission, de son mandat. Oh, on s'en appelle ce qui est l'eau, on dit le Seigneur qui a ça là. Il dit, je t'ai envoyé, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils fassent, qu'ils se passent des ténèbres à la lumière et de la puissance du Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Apôtre Paul avait la mission. Sa mission était quoi? Était d'ouvrir le peuple les yeux. De ouvrir le peuple les yeux. Parce que le peuple était aveugle. Le peuple d'Israël était un peuple aveugle. Ésaïe chapitre 43, verset 8. Israël était aveugle. Alors, Zamba tini mo, a tini Paul, na mission à Bessie, vas-y, chez les Juifs et chez les païens. Et pas wapinga y zambé na rotine d'ayo. Afin que au fongo la peuple oyo, misu. Au fongo la ngon misu. Qu'au fongo la misu, yan zambé oya zoko loba. Elingi kolobake, kolongo la mutu, na royaume ya ténèbres, na ténèbres, na obscurité pa yazali, comme mabango na lumière, na royaume ya lumière, na royaume ya Yesu Masia. Kofongo la mutu misu, elingi koloba ete, kozwa mutu na, kolongo la mutu na puissance ténèbres, na puissance à Satan, comme maye na puissance na Nzambe. C'est ça, ouvrir les yeux. Mutu yon Nzamba bengi, a cette mission, mission na yezali, kolongo la mutu. Oyaza kati la ténèbre, comme mène la lumière. Oyazali sous la puissance de Satan, comme mène la puissance de Nzambe. Nzamba bengi yango, kofongo la mutu misu. Kofongo la mutu misu. Pouke mutu abuna. Po mutu so yaza na ténèbre amona kate. Il faut monter longo la ténèbre ya Satan et pas yazali quand il a péché et il pas yazali pour que à mes mamans na lumière et pas na Yesu tant encore na lumière et pas na Yesu ndia komona. C'est pour cela apôtre Paul toujours il dit ceci. Il dit ceci, bien-aimé, dans le livre
Parce que dans le livre de des Corinthiens, chapitre 4, il y a autant en haut déjà, la fois passée, à partir du 4e, 6e verset, la Bible dit, car Dieu, qui a dit la lumière brûle au sein des ténèbres, a fait brûler la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance et la gloire de Dieu sur la face de Christ. Quand quelqu'un vient en Christ, il reçoit la lumière de Dieu. Il reçoit la lumière de Dieu. Et pas voir parce qu'il a ténèbres, il voit l'esplendeur de la gloire de Dieu. Il commence à marcher dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Mais mouton et azana nous, azana la lumière, azana ténèbres, azana aveugle. Il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Il ne peut pas voir la gloire de Dieu. C'est pour cela, tout homme, bien aimé, tant aujourd'hui, grâce à Roya Bayesu Masia, accroche-toi à Dieu. Parce que Pesameli Moutounion sont tout. Yako Yeba Yesu Masia. Yako vive la lumière de Dieu. Ce qui veut dire, tout homme qui n'a pas Christ en lui, il est aveugle. Il ne voit pas. Il peut regarder, mais sans voir. Or, pour voir, c'est Dieu qui peut te donner les yeux pour voir. Mais pour voir, c'est Dieu qui donne cette capacité de voir. Cette capacité de voir vient de Dieu. Quand est-ce que Moutoazo Gomona, selon Zambé, quand l'homme reçoit la parole de Dieu, tu peux voir, donc tu peux regarder sans voir. Quand tu regardes et tu vois, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, bien-aimé. Au cours de son église, on a 100 ans. Ma cambozo le kawana ozo monangote. Ma cambozo le kawana ozo monangote. Au cours de son amour, on se voit le bagano. Mais na vandi na mutu oyo, na libala. Na tika la koye ba te kazala kandoki. Na vanna na mutoto tambula na yeto salene ba makamu. Na tika la koye ba te ke akota ba loge. Parce que omona kaye. Tu as la capacité yako regarder. Omona kaye mutu aza bien, o aza gentil, o no a edaka, o asala kaboyo, o no mutema malamu, mutema boboto. Mais le jour où Dieu, ou le jour où tu vas commencer, yako changer attitude devant Dieu, pour prier Dieu autrement, Zambetan a o tiko ya bandiko kokende na lolenge nga Zambe na lingi. Dieu va commencer à t'ouvrir les yeux pour te voir l'endroit où tu es, l'église où tu es, la personne oyo yokara maloba na Zambe, le pasteur ou le serviteur de Dieu. Bato yo tambola kana bango. Dieu va commencer à te faire voir. Parce que tant que tu es aveugle, tu ne peux pas voir. L'homme péché
commence à voir de la manière dont Dieu voit le jour où il va commencer à croire, à se convertir en Christ. Nye mtu wana abandi komona lolenge nzamba zo komona. Tant que nano se convertirite, nano se repentirite. Or, la repentance et la conversion, eza domaine en zambé. Mutu moko te azana makasi na ye moko abongo la motema. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 12. Jean, chapitre 12. À partir du verset 38, la Bible dit ceci. Afin que s'accomplisse la parole qu'Esaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui les bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi, ne pouvait-il croire parce que Esaïe a dit encore. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient, des yeux qu'ils ne comprennent, du cœur qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Ça, c'est Esaïe a déjà prophétisé. Pour le peuple d'Israël. Alors, bien, nani oyo ayeba ki konima na ma prédication na biso. Oyo nana mona ki le bras de Dieu oyo reza ki révélé pa inaye. Parce que nous pouvons prêcher la parole de Dieu. Parler de Dieu. Si Dieu n'intervient pas, la personne ne peut s'ouvrir les yeux. Ne peut pas. Moutakou go pesa mouté mané pa in zambé, soki zambé a intervenu, a coquité, bien aimé. C'est Dieu qui donne cet pouvoir que Moutou a se converti, que Moutou a se repentu, que Moutou a se donné à Dieu. C'est pour cela, Esaïe a dit, qui ont cru? Et c'est Dieu qui a endurci le cœur d'Israël. Ce Dieu qui a rendu le peuple d'Israël aveugle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru à Dieu. Pendant tout ce temps, l'Israël a vu des miracles, des prodiges, des signes que Dieu a manifestés, que Dieu a opérés. Mais Israël n'a pas cru à Dieu. Israël n'a pas cru à Dieu. Et il y en a beaucoup, bien-aimés. Dans ces temps de la fin, ils voient la main de Dieu. Des chrétiens qui vivent la puissance de Dieu. Mais ils ne croient pas. Ils cherchent Dieu quand il y a un, ça ne va pas. Quand Dieu se manifeste, après cela, il oublie la Odyssée.
sont aveugles. Ils se croient que nous sommes ici comme si Dieu ne voit pas. Non, bien-aimé. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Il a endurci le cœur d'Israël. Il a aveuglé leurs yeux. Ils ne voyaient pas. Pourquoi? Parce que Dieu voulait, comme Israël n'a pas cru à Dieu, à la parole de Dieu, Israël a rejeté Christ pour que les moyens pour lesquels Dieu pouvait guérir ou sauver l'humanité, c'était d'abord de laisser rejeter Israël, mettre de côté Israël. Parce que sur Israël, comme la Bible dit au verset 40, aussi ne pouvait-il croire parce qu'Israël a dit. Israël ne pouvait pas croire. Ne pouvait pas croire. Parce que si Israël croyait à la parole de Christ, nous, les nations, nous ne serons pas sauvés. Nous ne serons pas sauvés. Et Israël, la Bible dit, Dieu, il a aveuglé leurs yeux. Parce que si tes yeux t'aveuglent, si tu ne vois pas, tu es dans les ténèbres. Tu ne peux pas être sauvé. Donc, ouvrir les yeux, c'est de croire à la parole de Dieu. C'est la mission de l'apôtre Paul auprès des païens et auprès des juifs. Donc, moutoyo à Monaka. Moutoyo misu. Ezaya kofongo. Eza moutoyo azoko croire à la parole de Dieu. Et les met en pratique. Dieu ne peut pas te guérir si tu ne crois pas. Si tu es incrédule, bien-aimé, tu ne seras pas guéri. Tu ne seras pas sauvé. Nous ne sommes pas sauvés par de bonnes œuvres. Non. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Dieu a aveuglé Israël pour que Israël a monaté. Il a aveuglé Israël pour que Israël ne voit pas. Donc, moutoua a monakate aza sauvete. Un aveugle, aza moto à mon arrêté. Non seulement aza moto à mon arrêté. Un aveugle, aza moto yo, aza comprendre te. Un aveugle, aza moto yo, a koriko se convertir te. Donc moto yo, a se convertir te, aza aveugle. Mouto yazo comprendre ma kamona nzambete aza avec. Mouto yo pa mon akate aza avec. Ce qui veut dire, quand quelqu'un ne croit pas, il est avec. Pour que Zamba guérir yo, il faut d'abord banda komona. Il faut croire
Il faut comprendre. Et après, on se convertit. Et par là, Dieu va te guérir. Il dit, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur. Des pères qui ne voient des yeux, qui ne comprennent de du cœur, qui ne se convertissent et que je les guérisse. La Odyssée était aveugle. Comme il était aveugle, il ne comprenait pas son état. Il ne comprenait pas qu'il est tiède. Comme il ne comprenait pas, c'est difficile de se convertir. Il faut d'abord au banda komona. Komona veut dire qu'on croit que la lumière de Christ est va qu'on touche yo. Comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, la Bible dit que tout ce qu'il faisait, il croyait qu'il était dans le bon. Il croyait que non, il servait Dieu. Or, les sacerdoces ont déjà changé. Lui, il était déjà dans le passé. Mais il servait Dieu avec zèle, mais dans le faux. Il ne comprenait pas. Il ne voyait pas. Il était dans les ténèbres. Selon Dieu, il était dans les ténèbres parce qu'il ne voyait pas. Mais selon les hommes, selon les pharisiens, selon les sacrificateurs israélites, il était dans les bons. Il était dans les bons. Mais comme tous étaient dans l'aveuglement, il ne comprenait pas que ce qu'il faisait là, Dieu n'approuvait pas. Il était difficile que Zamba guérisse Bango parce qu'ils étaient aveugles. Bien aimé, l'état d'aveuglement est mauvais. L'état d'aveuglement est mauvais. C'est pour ça le jour où Christ va venir, comme beaucoup sera dans l'aveuglement, bah on connaît que l'enlèvement est. Bah on connaît que l'enlèvement est. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Beaucoup, parce qu'une église. Mais leurs yeux spirituels ils sont dans l'aveuglement. Ne voient pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit à Ephésiens, il a prié. C'est ce que les prières que nous devons faire pendant notre temps de prière, pendant cette semaine, nous devons prier nous devons parler à Dieu cette prière. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Zamba fongola bishomis. Bah, on va comprendre ma cambonanza, bah, on va comprendre que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Ésaïe, chapitre 42. L'état
regard d'aveuglement, bien-aimé, est mauvais. Ésaïe chapitre 42, à partir du verset 18. La Bible dit ceci. Sourd, écoute. Aveugle, regardez et voyez. Regardez et voyez. Toi qui es aveugle, ne t'arrête pas seulement à regarder. Oh, ce temple est beau. Ton ama quitte bien. Cher à bien. Climatisé. Parce que tu regardes. Tu regardes. Dieu dit, aveugle, regardez. Et aussi, voyez. Quand tu regardes sans pourtant voir, tu restes dans ton état. C'est pour cela, quand Dieu appelle les prophètes, il dit, à d'autres, il dit, regarde bien. Regarde bien. Parce que tu peux regarder et tu regardes mal. Mais quand le Seigneur dit, regarde et regarde bien, c'est dans une autre dimension. Dans une autre percée, comme il dit à Ésaïe, les sourds écoutent, les aveugles regardent et voient. Il continue, il dit, il pose maintenant la question. Qui est aveugle? Sinon, mon serviteur. Et sourd, comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle, comme l'ami de Dieu. Aveugle, comme les serviteurs de l'Éternel. Dieu dit, Nabato y est envoyé, Nabato y est mandaté pour annoncer la parole de Dieu. Mais Zamba lobi, banani bazaba aveugle, ba oyonga izambe na tindi, ba oyo bazo benga ba mi dans Zambe, ba oyo bazo benga ba serviteur dans Zambe. Zamba zobeka bango ba aveugle. Zamba obenga bango ba sourd. Parce que Zamba linga fongola le peuple de Dieu matoy. Abibo yoka. Bino ba sourd bo yoka. Bino ba aveugle bo regarder pe bon mona. Bo tala pe bon mona. Kosukaka na kotala te mais lingani no kota na dimension ya komona banani baza baveugle. Dieu pose la question et j'aime Dieu quand il pose la question, lui-même il répond. Il pose la question. Si Nzamba tuni o question,
Tu vas regarder de chercher où est les aveugles. Mais Dieu lui-même répond. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Sourd comme les messagers que j'envoie? Aveugle comme les serviteurs de l'Éternel? Il continue, il dit ceci. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point attendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé, dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cachots, dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui dise restituer. Qui ont pillé le peuple de Dieu? Qui ont dépouillé le peuple de Dieu? Dieu a voulu le bonheur de son peuple, mais les gens que le Seigneur a envoyés, c'était des aveugles. Ils ont commencé bien, faire le travail de Dieu, mais aujourd'hui, ils sont devenus des aveugles. Ils ont commencé à piller les brebis, dépouiller les brebis. Quand les brebis sont dépouillées et pillées, personne n'a pu délivrer Bango. Personne n'a pu restituer Bango. Personne. La Odyssée. Il veut s'enrichir. Non pour prendre soin aux brebis du Seigneur. Non pour prendre soin aux brebis du Seigneur. Aujourd'hui, il y a des banques dans l'église. Tu peux venir nous donner l'offrande. On donne l'offrande. Mais aujourd'hui, offrande opinée dans l'église. Si tu veux donner les dîmes, piné. Il y a des pines aujourd'hui dans les églises. Oh, bibezolo banabi sobo. Si tu veux aller à l'église, il faut bien se préparer. Nana kunayo. Aujourd'hui, au fond de Nayo, aujourd'hui, au Nino Nzambe, depuis sa maison, pas dans l'église. Pas dans l'église. C'est depuis ta maison. Mais quand tu es dans l'église, c'est pour écouter Dieu et donner ton offrande. Tu peux me dire, non, oh, aujourd'hui, tu as la modernité, modernité. Dieu n'est pas dans la modernité, bien-aimé. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole.
Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole, bien-aimé. Tant on a dit qu'il n'y a aucune église, il faut na offrir pas un ensemble benanga. Il faut na pas nous construire pour rien en rendre. Mais tant vous voyez une église, na tant ma offrande, nous t'attendons mille libosso na qu'est-ce na ya pin, yo y est toi. Opiné, on a au tchat combien? 20. Bah, c'est ça, opiné 20. Et continue. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Il y en a, c'est normal. Au moins, quand je bosse en aki, quand je suis sous-nini, ça facilite. Oui, c'est bien. Mais nous sommes dans la parole de Dieu. Nous sommes dans la parole de Dieu. Et ça, maman, quand mon soussou, et singara, et salama, quand les gens se réunissent, prier pour l'offrande, prier pour les dons, les collectes, dans l'église du Seigneur, et pour yo les kishi en haut, on va prier comment? Parce que directement dans la caisse, dans la banque, Zamba Sungabiso, Nabite Zamabe, Nakolo, Aibako Sungabiso. Quand tu es aveugle, tu ne peux pas voir d'autres choses. C'est pour ça quand Dieu dit, aveugle, regarde et vois. Et ça m'a quand même sous bien aimé. Moutoyo azar, azomona, l'olega zambé, a koki kole ki sa m'a quand même sous, a accepté d'autres choses. Ne paie pas. Quand il voit, il comprend que non, ça ce n'est pas Dieu. Ce sont des traditions des hommes. Va copier la moukili, va continuer dans cette église. Bah, j'y vais dans mon kiri, bah, coach, on a quatre églises. Et c'est voilà, de normal. C'est la Odyssée, bien aimé. C'est la Odyssée. Quand tu es aveugle ou bah on bazo ko kamba baza ba aveugle ou ko ko sala mama kamususu, vous voyez que non, c'est normal parce que je vous ai plongé regard na bien avec critique pour voir si vous êtes dans les bons, si vous êtes dans les bons. Des cérémonies, des rites qui se passent dans l'église. Tambazo teka ba t-shirt, l'église, ba comment, ba t'a longa pasteur, ba mouchoir, ba zo teka l'église. Les chrétiens, ba zo monango, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles. Où est-ce que la Bible parle? On vend des choses dans l'église. Parce que si tu es aveugle, tu vas accepter tout.
Tu crois aux choses que Dieu n'a pas mandatées, que Dieu n'a pas prononcées. Tout ça pour piller l'église, pour piller le peuple, pour dépouiller. Pendant les temps de confinement, l'église est dans le confinement, le peuple de Dieu est dans le confinement, mais le serviteur aveugle demande des offrandes. Batindi ba numéro compte pour batindi ba offrande na bango. Comment expliquer? Le peuple qui sont dans les confinements, dans la souffrance, dans les misères, pour chercher comment, qu'on s'en sortit, dans les bottes, dans les bottes, mais, les dirigeants, pas autant de offrande. Autant de offrande. Comment expliquer? Au lieu yo mudoza millionnaire aux ans d'abord jet du privé aux ans ceux qui 45 voitures de luxe, pourquoi pas aucun des pour n'ako sunga bango peuple au yozoka. Comme je vis dernièrement, bazo ça la collecte, bazo ça la collecte pour la chambre de la serviteur de Dieu, jet privé. La chambre de la serviteur de Dieu, jet privé. Mais non. Je ne suis pas contre. Mais voyons. Comment c'est possible? À cette période, à ce temps de la fin, pourquoi pas aider ceux qui sont les plus démunis dans cette église où nous sommes la jet privée, Moussa et Nanzambé. Pour en faire quoi? Aller dans les missions. Sur laquelle la jet privée na qui quitte, n'a plus fond là. Et quoi quitter wapi? Est-ce que vous t'avez aucun? Et quoi tant blaga à côté, va nini, et pas wapi? La parole de Dieu est déjà entrée. Qui est aveugle? Qui est sourd? Nous passons, l'église est en train de passer un temps difficile, bien-aimé. L'église est entrée dans sa phase terminale. Les jours du Seigneur, il y aura les cinq vierges femmes qui vont entrer et les cinq folles vont rester. C'est Laodicée qui va rester. L'église tiède. L'église aveugle. Là où on accepte tout. On dit amen à n'importe quoi. Mais les témoins fidèles et véritables, ils connaissent tes œuvres. Tu es ni chaud, ni froid. Les conducteurs qui s'enrichissent dans l'église. Les conducteurs aveugles.
qui vend n'importe quoi dans l'église du Seigneur pour s'enrichir, sont nus avec des misérables, pauvres et malheureux. Quand Dieu voit ces choses, bien-aimés, Dieu plaît. Bâton à la tini pour que le peuple n'a pas se préparer parce que je viens bientôt. Ils sont dans les railleries, dans les traditions. C'est pour ça que la Bible dit, qu'on met ma foule des gens. Foule. Bako landa bango. Bako landa bango. Mais Dieu n'est pas dans la foule. Mais Dieu est dans la minorité. Philadelphie, Ezaki église à mon était, Ezaki église à mon quai, paix de puissance. Mais Dieu était là. Dieu était là témoigner pour cette église. Mais Laodicée doit au peuple. Le peuple règne. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Il faut que, bien aimé, nous prenions le temps de prier pour nos familles, pour nos amis, nos connaissances. Oh, bazo ko tambo na aveuglement. Au lieu de l'anda Christ, bazo l'anda ba pasteur, bazo l'anda ba serviteur de Dieu. Au lieu de élever le nom du Seigneur, bazo élever le nom de leurs églises, de leurs pasteurs. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Totikara komonate. To regardez pas seulement, regardez c'est tout. Non. Faut entrer dans une autre dimension de voir comme Dieu voit. Ozo regardez autrement. Comme Dieu regarde les choses. Comme Dieu regarde les choses. Dieu. La Bible dit ceci. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Verset 7. La Bible dit, l'Éternel a dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu, l'Éternel, regarde au cœur. Ne regarde pas l'apparence. Vois comme Dieu voit. Regarde comme Dieu voit. Quand Dieu regarde, il voit au-delà de l'homme. Comment la terre était l'église. Comment un bel chemin y a l'église. Non.
Comment la éloquence, il y a qu'on nomme la pasteur, tiens. Mais faut aller plus loin. Qu'est-ce qu'il prêche? Quel esprit rejoint qu'on animé? Au-delà de l'église, vois, est-ce que le Seigneur est avec nous? Est-ce que c'est le Seigneur qui conduit l'église? Ou bien c'est l'homme qui conduit l'église? Est-ce qu'il y a l'Esprit de Dieu avec nous? Faut se poser des questions. Faut poser des questions à Dieu. À propos des serviteurs de Dieu, oh, ils ont laissé la parole de Dieu. S'il est le Dieu, s'il craint Dieu, s'il a le Saint-Esprit, mais bah, quand voyager dans Bango, faut poser la question, est-ce qu'ils ont Dieu? Jésus-Christ est leur Seigneur. Parce que les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Tu vas dire, oh non, ça, même aujourd'hui, bien-aimé, tout est à nu. Zambazo bimisa. Comment un chantre de l'Éternel a cru que ça, qu'on y est, n'a un païen, on a confirmé un païen. Un orchidiste, musicien, mondain, et tu chantes avec lui, soi-disant chanson de Dieu. Non! C'est pour ça que je vous ai dit, l'adoration, ce n'est pas. Ils ont une parole, non, Dieu ne cherche pas l'adoration. Dieu cherche les adorateurs, les vrais adorateurs. Tu peux chanter, tu peux adorer, l'adoration. Mais et qui est pas un ensemble, parce que toi-même tu n'es pas un vrai adorateur. Et il y a toujours au soi-disant évangéliste, soi-disant pasteur, ceux qui mais aux autres y est maintenant mon pacano. Oh, la Bible dit dans Psaume chapitre 1 verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas avec des manqueurs, qui ne s'arrête pas avec des péchés. Mais toi, tu es là avec les pécheurs, avec les païens. Nous sommes au temps de la fin, bien-aimés. Nanto monite mamramosus. Non, nous avons bimicité les autres. Oh, bah, on s'est déguisé en apôtre de Christ. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Attention à mouto yozo tam. Attention à mouto yozo yok. Attention à bisika yozo nyata. Faut toujours demander à Dieu de t'ouvrir les yeux. Zamba fongolo mi somona. Koza la aveugleté. Parce qu'on redinda na liboulou. Parce qu'on redinda na liboulou. C'est pour cela, bien aimé, après ce message, après cet enseignement, nous entrerons en prière. Nous allons prier ensemble. Avec le Saint-Esprit, nous allons prier Dieu pendant une semaine, 7 jours dans la prière. On se rencontre à 21h.
Toi seul, pendant la journée, tu pries Dieu. Des soirs, nous sommes là, ensemble, nous prions Dieu. C'est très important. C'est très, très important. Le Seigneur dit à la Odyssée, toi, comme tu es aveugle, comme tu es nu, comme tu es misérable, comme tu es malheureux, pauvre, viens acheter à moi. Viens acheter à moi. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous donne l'invitation. Viens. Bien-aimé, viens. Avec ta famille, viens. Prions ensemble. Prions ensemble. Afin d'acheter à Dieu des choses autres à nos besoins. Pendant cette semaine, au début, il y a mois d'août, nous allons commencer notre prière. Nous allons commencer notre prière. Le début du mois d'août, après avoir terminé notre enseignement, nous entrons en prière. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Prions toujours. Remercions toujours. Adorons toujours le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, qui soit toujours avec nous, qui nous donne toujours le souffle de vie, qui nous garde toujours. Nabisikatoriko kote bisikatoriko tambula. Parce que toyebite. Banani oyo tozana bango. Toyebite banani otozo tambula. Banani oyo tozo sana bango voyage ensemble. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur nous accompagne au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce temps précieux que tu viens nous parler, que tu viens nous annoncer, nous dire ce que tu penses selon ta parole. Merci. Fais la continuité, Saint-Esprit, de cet enseignement. Que la grâce et le bonheur, la paix nous accompagne, Seigneur, toutes nos vies. Que nous soyons toujours dans ta présence, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Tokutani vous dit prochain à 21h dans la présence de Dieu pour continuer à parler. La nudité. Nous avons parlé sur malheureux, misérables, pauvres, aveugles, et nous allons parler sur la nudité. Être nu, c'est quoi devant Dieu? Quand Dieu voit la Odyssée nue, ce que cela veut dire. Nous allons parler la semaine prochaine. Doudouille, bye bye.